Bonsoir, bienvenue si vous nous rejoignez sur France 3 pour votre édition Ici 19-20, l'actualité en Bretagne et en France. Ce soir, focus sur le festival interceltique de Lorient avec l'événement incontournable des festivités. La Grande Parade a réuni 3000 artistes et 90 000 spectateurs. Nous serons également dans quelques instants avec Titouan Castric, le jeune kayakiste breton vice-champion olympique, ramène la médaille à la maison. Il vient de rentrer de Paris, il va nous raconter cette folle aventure des JO où il a décroché l'argent. Et puis à l'international, l'activiste de Sea Shepherd, Paul Watson, reste en détention jusqu'au 5 septembre au Groenland. Le militant anti-chasse à la baleine avait été arrêté le 21 juillet dernier. Le Japon demande par ailleurs son extradition. Et on débute avec le festival interceltique de Lorient. 90 000 spectateurs ont assisté à la grande parade tout à l'heure. C'était le rendez-vous à ne pas manquer dans le cortège de tête des jeunes. Reportage d'Isabelle Rétig et Valérie Chopin. Ils sont venus de toute la Bretagne pour participer à la grande parade des nations celtes. 700 jeunes issus d'une cinquantaine de cercles de danse et de bagadou des 5 départements bretons, ravis de défiler ensemble. Il y a eu un collectif qui a groupé aux origines celtiques, mais c'est vrai qu'il enfin, y a encore plus de jeunes, donc c'est top à Lorient cette année. Il y a souvent beaucoup de public, donc c'est vrai que ça nous porte, et puis il y a plein de jeunes, donc ils sont souriants, c'est vraiment top. À l'initiative de ce collectif, l'association culturelle Kenler, qui œuvre pour la transmission de l'héritage breton. Chaque génération s'approprie cet héritage, apporte sa petite pierre à l'édifice. Et je crois que c'est ça qui fait qu'en Bretagne, on a une culture vivante, on n'a pas un folklore figé parce que, eh bien, on digère les influences et on continue à créer, à imaginer des nouvelles choses. Et c'est les héritiers de demain, donc c'est très chouette. La jeunesse au cœur de cette 53e édition avec ce groupe de danseurs irlandais. Lily, la porte-drapeau, vient pour la deuxième fois à Lorient. C'est incroyable, c'est vraiment une expérience à vivre une fois dans sa vie. Au total, 47 groupes, bagadou, cercles de danse ont défilé ce matin dans les rues de Lorient devant des milliers de spectateurs. Il y a de l'ambiance en tout cas, c'est musical, et puis il y a plein de styles différents, c'est assez rigolo, il y a de la modernité, puis de la tradition. C'est vraiment génial. Les costumes déjà, très variés, la musique évidemment, ouais, les défilés c'est bien. Moche. Délégation étrangère je pense cette année, c'est un peu dommage, j'aurais bien voulu voir des Australiens, des un peu plus d'Irlandais, mais bon c'est pas grave, c'est comme ça, c'est très très bien et très bien organisé. Après avoir paradé dans la ville pendant